Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Elle est tellement petite qu'on la voit pas, Miskena. Donc, journée de l'Aïd. On est en retard de ouf. On doit acheter nos affaires de l'Aïd. Ouais. Je les ai emmenées en bas là. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Aujourd'hui, c'est moi qui paye pas. On commence par la plus petite. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je voulais voir des baskets et des habits. Des baskets et des habits. Vas-y. Prends ce que tu désires. Oh, celle-là, elle est trop belle, Myriam. Sans lacets. Sans lacets? Ouais. On scratch comme ça, comme les bébés cadom. Et non, parce qu'avec les lacets, ça se défait toujours. Mais c'est normal, tout le monde a des lacets, Myriam. En vrai, oh, celle-là, elle est incroyable. Je sais pas si bon, on va les laisser choisir, si je connais pas trop ses goûts. Allez, on lui a trouvé une petite paire à Myriam. Elle passe de Nike à Adidas. Vas-y, regarde, pas de lacets comme elle a désiré. Ça va, elle est belle en vrai. Ouais. On va voir si elle lui va. Taille 34 maintenant, on fait que de grandir des pieds. Alors, elles sont belles, hein. Regardez, c'est celle-là, là-haut. Là. Bonjour, ça va les enfants? Vous allez bien? Ouais. Alors ouais. C'est bon, tu la prends? Ouais. Ok, validé. Là, niveau habit, elle a choisi ce maillot, elle aime bien. Et ce pantalon. Mais ça va pas du tout ensemble, Myriam, vraiment pas du tout. Hein. Bah sinon, celui-là, ça va avec. Ouais, au pire, le blanc, ouais, prends le blanc. Le blanc, il va aller, voilà. Il va aller plus ensemble. Voilà, ça, c'est beaucoup. Là, ça va beaucoup mieux, là. Faire du sport, ça, c'est incroyable. Ouais. Bon, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Ouais. On va voir Yacine. On a retrouvé Yacine. Il s'est encore sauvé. Oh, regardez la paire, comment elle est moche. Encore des maillots de foot. Je trouvais que ça. Hein. T'es ça pour l'Aïd, tu vas aller en maillot de foot. Et je sais pas, il y a rien. Tu voir, t'as sélectionné quoi comme maillot? Le maillot du Bayern. Bayern. Et celle du Yacine, il est trop dans le foot. C'est incroyable. Non, mais regarde ce qu'elle a pris. Des petits trucs Adidas, tranquille. Pas mal. Regardez ce qu'on a trouvé, les rails. Vous avez vu Ninja, le youtubeur streamer Fortnite? Il a fait une paire de chaussures avec Adidas. C'est la classe, hein. Faut voir comment elle est un peu. Et où son logo à Ninja? Là. Regardez. Ceux qui connaissent, c'est la classe. Ça fait combien? 77 euros. Là, c'est la famille, ouais, on vient de passer à côté de ce maillot-là. Je sais que c'est pas vraiment pour l'Aïd, mais je suis obligé de le prendre. Eh, regarde. Je kiffe le foot et il est à 30 euros au lieu de 80. Si toute ma tête rentre dedans, ça veut dire qu'il est trop grand. Ah ouais, toi, pourtant, il est trop grand. Ouais, celui-là, je vais le prendre, la famille, pour me faire un petit plaisir. Ça y est, on a acheté quelques trucs, la famille. On vous montre pas tout. Surprise pour tout à l'heure avec les cousins et tout. Et puis, on va continuer la journée. Les gars, événement spécial. On a revu des personnes. Et vous allez péter votre crâne. Est-ce que vous vous rappelez de la première personne de Mohamed? Vous vous rappelez comment il était avant? Eh, s'il te plaît, mets un truc comment il était avant. La vidéo PS4. Mets un truc comment il était avant. Et maintenant, machallah, regardez comment. Il est revenu. On dirait un mec qui joue à Séville en défenseur gauche. Défenseur gauche. Qu'on lui met des vitesses. Et en fait, c'est pas fini. Deuxième personne. Bien, on y va, on va le voir. Deuxième personne, on a revu. Regardez, y'a qui? Elles sont tous venues. Exaucé Mohamed. Même exaucé, il veut devenir balèze. Mais tu sais que toi, tu vas tous nous dépasser parce que t'es déjà sec. Ça fait combien de temps t'as commencé là? Ça fait. J'ai commencé le 5. Le 5? Il y a 2-3 semaines. Ça veut dire là, on le revoit dans 3-4 mois si t'es régulier. Rendez-vous en août. Toi, tu te prépares tout seul. Vas-y, nous, Mohamed, on va le préparer. Nous. On va le préparer. Donc là, c'est son premier jour. En vrai, on va lui faire un peu de haut du corps, un peu de bas du corps. Yacine, fais-lui cette machine-là. Celle-là. Pour les pecs. Ouais. Reste, je fais une séance de malade mental là. T'auras des courbatures. Ouais, t'auras des courbatures. Je vais être comme ça. Moi, j'ai jamais fait de muscu. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le but de la muscu, c'est ça. T'as vu là, tu vas faire cet exercice, il y a 5 kg. Ouais. La prochaine fois, tu mettras 10 kg. À chaque fois, tu augmentes. Reste jamais au même poids. Vas-y, go. Et écoute pas ceux qui te disent ouais, Mohamed, mais pas trop lourd, tu vas devenir trop balèze. Wallah, c'est faux. C'est que la bouffe pour devenir balèze. Ouais, Wallah, c'est vrai. Toujours que c'est vrai, Mohamed. Je suis bien positionné. Là, t'es hyper bien. Ouais, là. T'es bien. Là, je pousse. Ouais, tu pousses avec tes deux. Pas un développé couché. Il y a Belek, je tape. Il y a du Belek qui va péter. Ouais, là, tu pousses. Voilà. T'essaies d'aller à 10. Sa première série, les rails, incroyable. Il n'y a pas un bras qui va. Non, non, là c'est bien, oh, là t'es bien. Là t'es bien, en plus amplitude complète, machin. Là, voilà, tu pousses à 10. Moi, dans celui-là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 110 kg pour l'instant. Non, t'es menti. Si, je suis à 110. 100, la dernière fois que j'ai vu. Ouais, mais je dois passer à 110. Oui, mais t'es pas à 100, t'as pas fait 110 encore. Ah, t'es menti. Moi, dans ce cas-là, dans cet exercice-là, les gars, je suis à 350 kg. La prochaine séance, je dois faire 350. Jour 1 des tractions avec Mohamed. Vas-y, montre-lui comment. Il sait comment faire une traction. Mohamed, regarde. Moi, au début, je faisais ça. Regarde. Au début, je faisais ça. Tac, après je faisais ça, tu vois. Ça, c'est pas une traction. Moi, j'en fais comme ça. Une vraie traction, faut les faire comme ça. Je te mets tac, point 0. 1,
Il est léger. Bah c'est bien, oui. Il est trop chaud. C'est bien. Mais il est trop chaud. Arrête, t'as vu le truc, c'est quoi? C'est que lui, il est comme nous. Vu qu'on est grand, on a des longs bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les tractions, on est grave désavantagés. T'as vu, ceux qui ont des petits bras, ils ont juste à faire. Tac, ils sont en haut. Nous, on doit parcourir tout ça. Nous. Ah, mais il nous a bluffé. Oh, je sais pas faire les tractions. Bon, avant de partir, la famille, on a reçu nos affaires de la haine. On va les découvrir ensemble, vous allez voir. Franchement, incroyable. On commence par une petite veste de survêtement Nike blanche. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est super belle avec derrière marqué Nike. Trop stylé. Ensuite, on enchaîne avec. Ça, c'est mon préféré. Hein. Ça, c'est mon truc préféré. Moi, j'aime bien les t-shirts simples comme ça, tu vois. Un petit t-shirt Nike bleu. Franchement, il passe super crème. Regardez. En bleu comme ça, avec un petit Nike derrière. Ensuite, on a le bas du survêtement. Le bas du survêtement blanc. Aujourd'hui, le thème, c'est blanc aujourd'hui. Vu qu'il commence à faire chaud et tout, tu connais. Tac, blanc. Franchement, ils sont super beaux. Et pour finir, une petite paire de baskets. Juste fais gaffe de ne pas mettre sur la table parce que c'est sale. Et c'est du blanc. On met là. Pour finir, une petite paire de baskets. On a tellement dégrampé que la paire, elle fait tout mon ventre. C'est tout simplement, les gars. Waouh, trop stylé. Une paire de climat cool. Trop stylé. Qui vont avec le survêt. Pour la famille, j'aimerais bien voir c'est quoi vos tenues pour la haine. Notre snap à nous, il s'affiche juste ici. D'ailleurs, venez nous suivre et envoyez-nous sur snap vos tenues. On essaiera de regarder tout le monde, essayer d'y répondre, etc. etc. N'hésitez pas. Là, on a avec Myriam. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Bah là, vous m'exploitez. Regardez, je suis en train de faire tous les gâteaux là. Bien, c'est bien, Myriam. Donc là, tu prépares quoi? Bah là, j'étais en train de préparer des fleurs comme ça avec ce, c'est pas tout ça pour nous, parce que les gens vont dire que je suis un gros porc. Non, c'est pas pour nous. C'est pour les invités. Alors on vous présente. Je rigole, en fait, c'est ma mère qui les a fait. Non, moi aussi. Gâteau à la confiture. Toi aussi, t'as fait? Oui. Gâteau à la confiture. J'aimerais bien vous en donner derrière la caméra. Les baklawa, j'ai fait ça, c'est grave. Baklawa, les macarottes, les briques de bois, les briques. Après, il y a les cornes de gazelle. Les gâteaux au chocolat. Les cornes de gazelle dedans. Des cornes de gazelle, la famille. Regardez là, des noix de coco au chocolat. Moi, je peux le goûter. Ah ouais, c'est vrai. Prends un au chocolat. Fais voir à l'intérieur comment c'est. Bah, j'aimerais trop vous en donner, les abonnés, hein, mais... Dommage, je peux pas. On est parti faire un petit tour au stade, la famille, on a trouvé plein d'abonnés. Du coup, on va les défier. Oh, je vais les mélanger, ça. Eh les gars, celui qui met un but, il gagne un petit cadeau. Ok. Je parle pas. Arrête de faire ça, t'es pour le Real. À la Madrid, toi aussi. Regardez, il y a qui? Devinez dans les commentaires. Keylor Navas. Pourquoi ils te font pas jouer à Paris? Je sais pas. Eh, Gian Nasser, t'es plus fort que Donnarumma. Hein. T'es plus fort que lui. Ok. Contrôle. Je vous ai dit, Keylor Navas, il est trop fort. Ok, ok. Contrôle. Va dribbler le gardien. Il va dribbler, mec. Fais-lui. Oh, qui bon. Là, je vais vous remporter votre cadeau. Caïs, mini Gareth Bale, 10 ans. Fais-leur montrer c'est quoi. Va dribbler le goal. Pourquoi on joue pour la plata, je sais pas quoi là. Ouais. Tu me racontes. Vu que c'est l'Aïd, je vous ai un peu trollé. Tout le monde a gagné, même si vous n'avez pas marqué. Merci. Vous gagnez tous. Merci. Des petits bonbons. Seba. Tac. Seba. Seba. Allez, je vais couper mon jeune. Non, Seba. Et celui-là, on va le donner à Nono. Merci. Et Alexis, viens. Il n'y a pas d'Aïd chez nous, c'est que les travaux. On les envoyait ramener un bureau. Aïe. Ça nous augmente la peine. Au début, il y a un ascenseur, maintenant, il n'y a plus d'ascenseur. Ça va être grave marrant. Il va y avoir un jab, il n'y en a pas. Ouais, on va voir comment on va réussir à faire monter le bureau, ça va être grave chaud. On va voir si ça va rentrer dans l'ascenseur. Il y a excellence dans l'ascenseur. En vrai, il y a moyen sympa. Tu penses toi? Ouais. C'est quoi l'ascenseur? C'est ça l'ascenseur? En vrai, non, je pense. Non, ça passe pas. Tu penses? Ça passe pas, regarde comment il est large. Ah non, j'ai un d'avis. Ok, on peut le retourner, ramasse, ça passe en large comme ça. Ouais. Faut qu'il passe en haut, toi tu ramasses. Ah, ça. Hein. Faut le casser pas. Ah, on fait comme on peut. Hein. Moi je voulais juste faire l'aide, manger des gâteaux, je sais pas. Là, ramasse, ça passe, non? Ouais, non. Et non. T'es trop à l'aise. Et juste pour savoir si c'était l'état, je me dis pas sur le 96, s'il te plaît. Saut 3, saut 3. Désolé.
Là, on laisse travailler un peu les jeunes. Il reste un dernier étage, les filles, un dernier étage. Et après, ça sera terminé. Bon, la mission a été réalisée avec succès. Tartare de ses morts. On avait un petit débat avec Sofiane, c'est quel est le meilleur fruit au monde? Pour moi, c'est la pastèque. Pastèque? Pastèque. Pastèque, et moi, les gars, je dis la mangue. Donc, dites-le en commentaire. Ah, je suis mort, les gars, plein ramadan. Parce que là, Mehdi, c'est le dernier jour de ramadan. Il s'appelle Mehdi, c'est quoi la commande? Elle a pour lui, la scène, c'est plus le ramadan, c'est fini. Après ce tour là, c'est vraiment fini. Triple cheese. Big Mac, Golden Big Mac. Oh là là. Deux petits bras proches. Ah ouais, parce que Ramadan il fait Uber des fois. Ah la dinguerie, Mehdi, c'est pas carré ça. Ah non, on n'est pas ensemble là. Ils sont venus me dire un Aïd Mebrok. Avec ton gros casque là, on dirait un pain en raisin. Enlève ton casque. Ton gros casque, il vient de dire des pains en raisin. C'est bien les gâteaux arabes pour la Aïd, mais s'il vous plaît, les personnes qui me regardent qui font des gâteaux pour la Aïd, faites des gâteaux qui sont bien. Arrêtez de faire les gâteaux durs, secs là. On n'aime pas ça. Donc là, on a trouvé une recette sur TikTok. On va essayer. Donc la recette, elle va s'afficher juste ici. Donc la recette, il faut une banane tout simplement. Avec la banane, on va la couper en deux, on va mettre un bâtonnet de glace, on va la mettre au réfrigérateur. Ensuite, on va prendre du spéculoos, on va la tremper dedans la banane, on va mettre des petites cacahuètes. Ensuite, on va l'enrober de chocolat, le faire sécher, ça va être incroyable, on va tester ça. Première étape, on prend du spéculoos, on va le mettre dans le verre et on va faire ça fondre au micro-ondes histoire que ce soit tiède. Et doucement mon spéculoos. Ah, Younes, il va pas être content. Donc première étape, on prend la banane. Là, Younes, il a préparé des bananes qu'il a mis au froid avant. On va tromper ça dans le spéculoos, qu'il faut qu'il soit tiède apparemment. Donc là, il est tiède. La banane. Miam. Tu vois, c'est compliqué parce que... Regardez. Faut que tu fasses toute ta banane. Miam. On va dire que ça suffit. Hein. Impeccable. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la famille, on va tout simplement enrober le cacahuète. Pas. Regardez-moi ce plaisir. Par contre, les cacahuètes, elles sont en train de partir là. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses et tu mets les cacahuètes. En vrai, tu poses et tu rajoutes des cacahuètes comme ça, voilà. On a tout mis au congélo, les gars. Yassine, qu'est-ce que tu fais là? Donc là, on va casser la tablette de chocolat. Il va falloir le faire fondre, histoire que ce soit liquide et faire le nappage final. Ouais, on va prendre. En vrai, il y a 2 grammes. On va faire. Prends celui-là. Non, lui, on va mettre dans ça. Chocolat blanc, les gars. Par contre, est-ce qu'on met toute ta tablette? Miam. Oui. Miam. Le praliné à gauche. Il n'y a pas de place pour que je mette tout. Bah, mais pas tout. Ça, je mets pas tout. Ce qui reste, tu mets dans. On va voir le résultat, ça fait 30 minutes. Eh, j'ai faim la poteau, ta rosette elle prend encore combien de temps? Non, normalement c'est la dernière étape. Eh, j'en ai marre, frère. Là on va les sortir, on va voir ce que ça donne. Voir comment c'est devenu. En vrai, ça va, ça a bien pris. Fais voir. Regarde. Oh là. Ça a bien pris pour l'instant. Oh là, les gars. On a. Attendez. Yassine le cuistot. On a ça commence à bien prendre. Okay. Je ramène le chocolat blanc, les gars, à Edmoba là. Bonne fête à tous, ça fait plaisir. Vas-y, mets ça dans le chocolat. Donc là, maintenant. Dernière étape, on prend ça. Et là, la famille, on trempe ça dans le chocolat. Oh, la dinguerie. Oh non, les reilles. Fais avec tes doigts. Yassine, j'avais faim. Fais avec tes doigts, rattrape avec tes doigts. Ça va le faire. C'est pas grave. De toute façon, le dard, tu manges pas et c'est tout. Ouais, t'inquiète. Yassine, il a dit que nous a donné un cerveau, faut réfléchir. On va faire ça comme ça. Il va faire ça comme ça parce que la bonne femme de TikTok là met des disquettes. Ça y est, ça a fini. En vrai, ça a ressorti pas comme je l'imaginais, mais en vrai, c'est pas mal. Je sais pas, on va vous montrer. En fait, ça fait comme des glaces. Ça rend comme ça les rayes. Wow. Bon, malheureusement, je pourrais pas goûter, mais Younes il va nous dire comment c'est. Moi, je pense que tu devrais prendre celle-là. Là. Moi, je vais prendre. Toi, Myriam, je te conseille de prendre celle-là, la plus grosse. C'est pas tombé par terre. Prends-la avec tes mains, c'est mieux. Ok. Un kebab, frère. Ouais, c'est super gros par contre. Les quantités, on a abusé. Ça, c'est incroyable. C'est un truc de. C'est un truc de ouf. Alors, Myriam, on dirait une glace. Goûte le chocolat blanc. Oh là là. Y'a plus de jet là. C'est un truc de mal mental. C'est réussi? C'est validé? On dirait une glace, les gars. Bah, la dame de TikTok. Regarde la caméra, regardez-moi. Refaites-le à la maison. On voit pas très bien, mes mains. Refaites-le à la maison. Bah, wow. La dame de TikTok, merci pour la recette. Apparemment, c'est incroyable. C'est bon? Ouais, on a fait les écrans. Vous avez filmé les gâteaux alors? On va tout manger.
Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Il y a aussi ma mère qui a fait des gâteaux ici. Yeah, j'ai fait pour toute la famille. Hein. Moi, je sais, mais ça, j'aime pas ces gâteaux-là. J'aime pas. Ils sont moelleux. Je suis désolé, mais j'aime pas. Tu devrais goûter, ils sont moelleux. Non, ils sont durs, j'aime pas. Non, ils sont pas durs. Tu vas les offrir à qui? Bah, tout le monde. Je devrais les donner à Sofia, Nina, Simeto, ils les aiment bien ça. T'inquiète pas. Regardez tellement, c'est bon. On va manger, c'est bon. J'aime pas ces gâteaux-là, moi.